looking for answers, something more. Holding the past in my hands, now I'm fighting for someone I've ignored. To find who I am, and I've been taking. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fameuse pack donc de l'automne, l'automne pack. Vous avez eu dernièrement normalement le bilan de la summer pack, normalement. Donc on se retrouve aujourd'hui donc pour l'automne pack. Donc comme d'habitude, je me mets 15 livres dans lesquels je veux aller colo, livre ou illustrateur. Voilà, et je pioche là-dedans quand je sais pas trop quoi colorier. Et j'espère, je serre les fesses, je fais tout pour essayer d'en faire le maximum. Voilà, donc là l'automne c'est du 24 septembre jusqu'au 21 décembre, je n'ai rien commencé de ma pack pour l'instant, on est le 28, voilà. Alors que la saison dernière j'étais un peu plus au taquet, là j'ai repris un peu la lecture, donc voilà, voilà, dans le mood où on est. Donc tout d'abord je me suis mis, comme chaque année, j'ai envie de vous dire, le... From Halloween to Christmas de Derya Sakirsoy, Kakirsoy, enfin voilà, c'est le numéro 5. Donc moi je les prends en grayscale et je le ferai dans le bouquin. Mais ça, chaque année je me le mets et voilà, j'aimerais bien aller dedans, mais depuis qu'il est sorti, mais non. Donc voilà, cette année on espère. On espère. Par contre, je vais. Descendre ceux-là, parce que ceux-là, ils vont bientôt sortir. De la balle. Alors, celui-ci. Ensuite, j'aimerais bien retourner dans le C'est la fête. Parce que ça fait un bon petit moment que je n'y suis pas allée. J'ai fait quoi dedans? J'ai fait deux doubles pages. Je crois que c'est tout. Donc, ouais, ça serait bien. Ah non, il y en a encore un autre de fait. Ah oui, le Mickey, le Mini. Donc ouais, ça serait bien que j'y retourne dans celui-ci, vers lequel je ne sais pas. Oh là là, et Timothée, il est vraiment rikiki là. Mais non, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas. Mais ouais, ça serait bien que je retourne dans celui-ci un petit coup. Ça fait longtemps que j'ai... Ça fait très longtemps. J'adore cette double page. Donc oui, celui-là, il est sorti. Ensuite, Axan Stuga de Dana Carlson, parce que bah, c'est la saison pour y aller, hein, parce que là, je n'y suis pas allée non plus depuis celui-ci. Et ça fait un petit moment, je pense. Donc, il serait temps que j'y retourne, parce que j'ai pas fait grand-chose dedans, vous voyez. Donc, oui. Et j'adore cette double page. J'adore. Mais est-ce que je vais la faire là? Ou est-ce que je vais en faire un petit peu plus simple? Je ne sais pas. Mais voilà, je le sors, celui-ci. Parce que c'est la saison, hein. J'aime beaucoup Anna Carlson. Voilà. Celui-ci. Ensuite, en numéro 4, je me mets le vintage, même si voilà, le papier est pourri. Je vais retourner dedans. Parce que j'aime bien souffrir. Voilà, j'en ai fait un. Il est où? Je ne sais pas. J'en ai fait un. Là. Voilà, j'ai fait celui-ci. Donc, en faire un autre. Non, ça, je... C'est mon sac à dos. C'est mon sac à main. C'est pour ça qu'à chaque fois que je le vois, je suis... Ah. C'est mon sac à dos. Ça. Donc ouais, allez dans celui-ci. Parce que de toute façon, l'univers Mickey and Friends, j'adore. Deux saisons, le Cute and Creepy de Camilla Derrico. J'en ai déjà quelques-uns dedans, mais voilà, j'aime pas le papier, donc ça me rebute. J'ai fait quelques bavures de sang, en faisant mes zombies, là. Mais voilà, il faudrait que j'y retourne. Ça fait un petit moment que j'avais fait celui-ci, je crois. Le dernier en date,
sais plus. Ça fait si longtemps que ça. Non, je crois que oui. Donc oui, je vais faire le short tourne. J'aime bien cette double page. Même si c'est pas fait vraiment une double page. Je pense pas. Mais bon. Allez, toi tu vas sortir. Ensuite, en numéro 6, le Bonhomie Grand Classique. Voilà, de Tracy D'Souza. Pareil, le papier, je suis pas comme une ouf. J'en ai fait un seul dedans. Donc, voilà. M'en sélectionner un qui soit pas forcément trop chargé, hein, parce que j'aime pas quand c'est chargé. On aime bien la flemme. Mais oui, en faire un petit. Petit dans celui-ci. Et encore, ouais, pourquoi pas ne pas faire. Pourquoi? Oui, c'est ça. Pourquoi ne pas faire un Disney que je n'ai jamais mis en couleur encore? Ce jour. Ça pourrait être sympa. Hop. Ensuite. En numéro 7, je me suis mis le Witches parce que, bah, comme d'habitude, depuis que je l'ai, je n'y suis toujours pas allée. Voilà, le fait que ce soit du papier Amazon, ça me rebute. Bref, je l'ai scanné. Voilà. Donc, essayez peut-être de me l'imprimer en format A5. Essayez de me le mettre en format A5. Je pense que celui-là, je vais le revendre du coup, vu que je l'ai pris en PDF. Je vais le mettre dans ma pile à vendre. Et oui, je vais le mettre en vente. Et puis je ferai PDF. D'ailleurs, il va falloir que je fasse des ventes internet. Ça serait bien que je remette que des trucs parce que j'ai plein de trucs à mettre. Mais... Donc, le Witchy, ça serait bien. Ensuite, j'aimerais bien faire un peu de marque-page. Ça fait longtemps. Et j'ai toujours pas entamé le dernier arrivé de l'encre vintage. Donc j'aimerais bien faire un petit marque-page vintage. Voilà. Donc, ils sont tout mimes, ceux-ci, et c'était peut-être mieux dans ce sens-là, je pense. Voilà, donc pourquoi pas me sélectionner un petit marque-tapage. Donc, je vais essayer de me le garder sous le coude. Ensuite, j'aimerais bien faire un Kirby. Parce que. Enfin, je sais plus trop quand j'ai fait un Kirby. C'était dans le Mythes et Légendes, je me semble-t-il. Donc, et pour du Kirby, j'ai choisi des livres entamés. Donc j'ai le Aux confins du cosmos qui m'a été offert par Natacha. Natacha et ses bricoles. Donc j'aimerais bien entamer celui-ci. Voilà. Une page pas trop double page, ça serait bien. Didier qui est en train de faire celui-ci. Elle est folle. Et oui. Donc, soit celui-ci, soit le Color Morphia, Color Morphia. Mais par contre, c'est un Lomart. Parce que pas moyen de le trouver en marabout. Enfin, la galère pour en trouver un. Quand vous en commandez un, finalement, on vous dit, bah non, il n'est pas disponible. Donc, vous ne le recevrez pas, on vous rembourse, machin, machin. Donc, dès que bah, finalement, je l'ai vu sur Vinted, bah, j'ai pris parce que... Mais voilà, je suis pas ouf, je suis pas comme une dingue avec cette version. Mais voilà, cette double page là par exemple, j'adorerais la faire. Voilà, c'est pour cette double page là que je le voulais de base. Hein. Il y a des. Voilà. Même voilà, ceux avec les doodles, moi ça ne me dérange pas. Voilà, il y a certaines pages que. Bah, celle-ci, du coup, je l'ai en double. Il y en a qui. Voilà, quoi. Il y en a qui ne seront pas forcément faites parce que bah, je les ai dans. Celle-ci, par contre, je la referai peut-être. Parce que j'ai déjà faite dans le mytho et je la referai peut-être. Mais oui. Entamer l'un ou l'autre, mais ou peut-être les deux. On verra bien. Hein. On sait jamais. Hein. Sur un malentendu, ça peut peut-être marcher. Hein. Mais oui. Donc ça, c'était pour le numéro 9. En numéro 10, j'ai mis le Bodoni Nature. Voilà. J'en ai fait un. Voilà, je fais celui-ci dedans. Et là, j'aimerais bien faire. Ce pourquoi je voulais ce livre. Je vais trouver un. Hein. Si, je vais le trouver.
Là. Je voulais faire voilà, ce dingo en mode automne. Voilà. Parce que dans le Bodoni Nature, il est magnifique, mais dans le Bonica de saison, il est dégueulasse. Voilà. Je tiens juste à remettre les choses en place. Là, il est magnifique, ce colo. Voilà. Alors que dans le Vaudeny, 4 saisons, c'est... Voilà. Non, je le trouve toujours dégueulasse, les 4 saisons. Toujours. Donc, je vais sûrement faire celui-ci, parce que ça fait un moment qu'il me trotte dans la tête, et que bah, j'ai tellement, tellement envie de le faire en mode automne. Il va être trop bio, j'espère. Mais je suis déjà bien contente du Winnie que j'ai fait dedans. J'aime bien mon petit Winnie. Voilà. La liste allonge. La pile aussi. En numéro 11, j'ai mis le Season. Seasons. Je sais pas comment il s'appelle. Le Main. Dirty Tavern. Voilà. Parce que j'ai juste fait le truc de Zazu une année là. Et un autre, je crois. À chaque fois, je vous le dis, je crois. J'en ai fait un autre. Ah, celui-là. Et c'est tout, me semble-t-il. Donc, il serait bien que j'y retourne ça, un petit peu. J'aurais forcément un petit colo de saison, hein, dans la saison. Donc, oui. Celui-là. En numéro 12, j'ai mis le Bodoni Histoire Nat Histoire Naturelle. Histoire naturelle, non? Ils nous l'ont pas fait encore celui-ci, tiens. Ils vont me piquer l'idée, je suis sûre. Non, non, ils aiment bien refaire toujours les mêmes titres. Donc, Histoire éternelle et non naturelle. Après le Bodoni Nature, voilà. Donc, dans celui-ci, j'en ai pas fait beaucoup. Bon, on est à 3. 1. 2. 3. Bon, dans celui-ci et dans le méchant, je suis... Ex-aequo. Quand j'en avance un, j'essaye d'avancer l'autre un peu plus tard. Donc voilà, j'aimerais bien retourner dans celui-ci. Du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas vu du coup, je pense. J'aime bien celle-là, mais non, il y a trop de livres là. Je ne pense pas trouver quelque chose sur le thème automne ou je sais pas. Je verrai bien. Pas faire un truc winter, hein. C'est pas winter, hein. C'est l'automne pack. Ah, celui-ci, qu'est-ce que j'avais galéré avec tous ces trucs, les traits là. Puis ce trait là, qui s'est formé, nom de Dieu. Non. Celui-là, on l'a dans tous les livres. Hein. Eh oui. Là, le fond dégueulasse. Hein. Un petit coup de gesso noir. I love gesso noir. Je sais pas, je lequel je ferai, je verrai bien. Hop! Allez! Suis bientôt purée. Je vais être obligée de me lever pour mettre sur ma pile. En 13, je me suis mis des PDF. Parce que bah, du coup, PDF, il y aura. Bah, je ne vais pas vous montrer les PDF que j'ai, mais parce que j'en ai beaucoup trop. Mais peut-être. Du Mario à la Budec, le Cute and Friends. Il y a pas mal de petites maisons hantées ou trucs comme ça, un petit truc automnal. Je pourrais. Je pense. Que je pourrais trouver ceci là-dedans. Du coup, il y aura le Witches qui sera en PDF, mais bon, ça comptera pas en PDF. Mais peut-être essayer du Morgane Aubryan ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci, cette saison-ci, à voir. Mais voilà, il y aura du PDF. Ensuite, l'atelier Teens. J'en ai deux qui sont pas entamés. J'ai le Flower Power et le bébé animaux. Donc voilà, j'ai ces deux-ci à entamer. Y en a un que je kiffe dans celui-ci, c'est le Réponse, me semble-t-il. Là aussi, il est joli. Mais j'ai pas vu Encanto, ça m'ennuie de le colorier avant de l'avoir vu. Mais j'aimerais bien qu'il le mette, nom de Joe, sur Disney+. Ah, celui-là, il est mignon. Bambi, je suis en train de le faire, donc non. Ah, celle-ci. J'aimerais bien faire celle-ci. Qui est dans le 4 saisons, hein. Voilà.
Mais il est plus joli dans celui-là, non? Voilà, qui est mauvaise. Donc celui-ci dans le Flower Power, dans le bébé animaux. Qu'est-ce que... Oh, il est mime celui-là. Il est trop mime celui-là. Il pourrait aller pour la saison en plus. Regardez les feuilles là, les feuilles mortes qui volent. Ça pourrait être bien ça. Ouais, bouc des dépositories. Rip. Oh, quel dommage pour ce site. C'était tellement bien. Tiens, je vous l'avais dit qu'elle était partout. Celle-ci, il l'aime beaucoup aussi. Bon, moi, je verrai. Mais. La même réponse aussi, elle est belle. Celle-ci, on en a marre de la voir. Alice, on en a marre de toi. On en a marre, Alice. Hein, Kalina? Bisous, bisous. Je sais pas lequel des deux j'entamerai, mais j'espère qu'il y aura. Hop, pour l'atelier Teens. Voici. Et en dernier, j'aimerais bien aller dans du Annaline, parce que ça fait fort fort lointain. Je n'y suis pas allée. Donc j'ai le Whimsy Girl Christmas. C'est en double, ils sont en double les colos. J'ai celui-ci, j'en ai un autre, mais bon, je pense plus prendre celui-ci parce que bah il est. Bon, c'est Christmas, mais voilà, c'est fin d'année, tout ça, tout ça. Hein. Ouais, c'est quand même vachement typé Christmas, hein, je suis bête. Hein. Mais bon, pour l'automne, non, je vais pas en trouver un seul pour l'automne. Oui, et puis en plus, ils sont l'un derrière l'autre, les colos. Il n'y a vraiment pas de différence, quoi. C'est exactement les mêmes. Puis le trait est vachement épais, là. Donc, ouais, c'est vachement Christmas, quand même. Donc, je sais pas. Finalement, je vais peut-être prendre l'autre. Ça sert à quelque chose de... Ouh. De... Faites ces livres. Du coup, celui-ci, c'est pareil, il est en double ou je sais plus. Mais là, je trouve l'épais, les traits. Pardon. Les traits vachement épais. Voilà. Ça me dérange maintenant. Quand je regarde bien. Donc, ouais, à voir. Je sors les deux, mais ouais, j'aimerais pas retourner dans le Annaline. Est-ce que je vais les garder? Celui-ci, je l'avais pris. En plus, il n'y a pas. Il ne fait qu'un dedans. Celui-ci, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais... Est-ce que je vais garder ça ou est-ce que je vais les revendre? Je suis en train de me tâter là, vous voyez. Je me dis, est-ce que je vais vraiment retourner dans le Annaline? Ce que je préfère faire chez Annaline, c'est les visages, mais là je les trouve pas ouf. Les portraits, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais garder ou si ça va partir. Là, je suis en train de me. Je me tâte. Est-ce que le Annaline va pas devenir autre chose par la suite? Parce que là, les traits, c'est vraiment. On voit à peine la bête là derrière elle. C'est quoi? C'est un éléphant? Ouais, de où on voit peut-être mieux. Mais je trouve que ouais, non, les traits. Pourquoi je sais pas. Si je vais garder ou si je vais pas garder. Allez. Donc voilà pour la. Oh ma pack de l'automne. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, j'ai rien commencé. D'habitude, quand je filme la vidéo, j'en ai déjà fait quelques-uns, habituellement. Ça sent le pâté, je dirais. On verra bien. Mais là, en feuilletant mes livres, ça donne quand même envie d'y aller. Donc, je me dis, il y a peut-être moyen de moyenner. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous fais des bisous. Et moi, je vais me préparer pour le live qui commence dans une demi-heure. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt. Ciao!